Je vais vous demander de regagner vos places. N'oubliez pas de dire que c'est filmé et qu'il faut couper son micro entre chaque... D'accord. Donc, pour rappel, cette séance est filmée, retransmise en direct. Donc, je vous remercie de couper votre micro après votre intervention. Donc, les procurations. Madame Karine Mendès donne procuration à Jean-Christophe Cid, Patrice Sangarné à Éric Pujade, André Trigano à Gérard Legrand. Secrétaire de séance, Pauline Quintanilla. Donc, nous allons, dans un premier temps, évoquer la délibération 1-1 concernant la justice pénale de proximité. Donc, je voudrais d'abord... mon voisin m'indique qu'il faut, dans un premier temps, évoquer la modification de l'ordre du jour avec... Une évolution du point 3-1 qui sera déclinée en plusieurs sous-délibérations. Comment ? Est-ce que y a-t-il des oppositions à cette évolution ? Merci. Donc, le point 1-1 concernant la justice pénale de proximité. Donc, au niveau national, il y a une forte volonté de l'État de valoriser cette police pénale de proximité. C'est une loi qui existait déjà en 2007 et une circulaire du ministère de la Justice du 15 décembre 2020 a, encore plus favorisé ce dispositif. Au niveau du tribunal judiciaire de Foix, un juriste assistant est arrivé. C'est un recrutement national et au niveau de ce tribunal judiciaire de Foix, ils ont eu l'opportunité d'accueillir un Ariégeois qui occupe cette place. Cet assistant juridique a vocation à s'occuper de plein de choses qui nous regardent assez peu et en particulier... la justice pénale de proximité au sein de l'ensemble des communes de l'Ariège qui le souhaitent. C'est en aucun cas un agent de la commune de Pamiers ou un employé du tribunal judiciaire qui serait affecté à temps complet sur la commune de Pamiers. Au niveau de Pamiers, donc, nous avons, les habitants ont énormément de doléances concernant les incivilités qui, finalement, nous gâchent la vie. Alors, c'est quoi ? C'est les tapages nocturnes, c'est les dépôts sauvages d'ordures, c'est les chiens qui traînent, les voitures rayées, plein de petites choses qui altèrent de façon importante le cadre de notre vie. Nous, on a décidé qu'il fallait nous impliquer. On ne pourra pas empêcher... toutes les incivilités, mais on sera là et on aidera à les faire régresser. Donc, monsieur le procureur nous a proposé d'être une commune pilote, sachant que, bien sûr, ce dispositif sera proposé à l'ensemble des communes de l'Ariège. Donc, commune pilote, ce qui implique pour nous plus de proximité avec les auteurs des faits, plus de proximité géographique et plus de proximité temporaire, c'est-à-dire qu'il y aura moins de délais d'attente entre la prise en compte de l'infraction et son traitement. Et ensuite, ça permet une implication du maire dans son rôle de police. Cette mise en place de justice pénale de proximité s'intègre dans une volonté de fort partenariat avec la justice et les forces de police, qui se révèle déjà par notre convention police nationale, police municipale, mais aussi, par exemple, par un audit que nous avons sollicité sur notre dispositif de vidéosurveillance auprès de la police nationale.
Donc, comment en pratique, comment ça va se passer ? Donc, lorsque l'auteur de ces infractions qui seront définies, c'est-à-dire, il est bien entendu que sont hors du champ de ce dispositif les crimes, les délits, mais aussi les infractions de cinquième catégorie. Donc, une fois que l'auteur sera identifié, la police municipale prendra contact avec le procureur pour savoir s'il souhaite une poursuite, un rappel à l'ordre ou une alternative aux poursuites. Nous, nous sommes concernés exclusivement par le rappel à l'ordre. Dès lors que le procureur aura donné son avis, un élu déterminé par arrêté, c'est-à-dire ce ne sera pas l'élu qui passe devant la porte. Il y aura deux ou trois élus qui seront désignés, qui convoqueront l'auteur des faits et qui effectuera ce rappel à l'ordre. Bien sûr, cet élu sera formé par l'assistant juridique. Au décours de cet entretien, le compte-rendu du rapport sera retransmis au procureur qui jugera de l'opportunité de poursuite supplémentaire ou non. Donc ça, c'est le dispositif standard qui sera retranscrit dans une convention. Cette convention sera présentée à la commission sécurité avec une réflexion sur quelle infractions seront concernées, nous souhaitons être concernés par ce dispositif. Est-ce que, par exemple, on s'occupe des bagarres à la sortie des écoles ? Est-ce qu'on s'en occupe des chiens qui divaguent ? Ça sera une réflexion qui aura lieu au sein de cette commission et qui sera ensuite présentée au procureur pour qu'elle soit définitivement signée. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions complémentaires ? Oui, madame. Sans doute un simple problème de forme. Bien évidemment, nous nous félicitons de la mise en œuvre de cette justice de proximité. Ceci étant, la première phrase de notre délibération me semble mal rédigé, ou alors je ne la comprends pas très bien, lorsqu'on parle de collaboration plus étroite entre le procureur, le maire et l'auteur des faits. Il me semble inopportun, en effet, d'aller collaborer de manière étroite avec l'auteur des faits. S'il y a des faits à réprimer, cela relève de la compétence de monsieur le procureur et de la municipalité, effectivement. Quant à l'auteur des faits, mais il prend acte. Ou alors, je n'ai pas tout compris au processus. Et il me semble que nous devrions modifier cette rédaction pour la rendre plus cohérente avec, sans doute, l'action visée. Et je vous propose de mettre, plutôt que la forme que vous nous proposez, une collaboration plus étroite entre le procureur et le maire vis-à-vis de l'auteur des faits. Très bien. On peut aussi mettre notamment une relation plus étroite entre le procureur, le maire et l'auteur des faits. On peut changer collaboration. C'est de pure forme, mais il me semble tout à fait, mais vous avez raison. De le préciser. Vous avez raison. D'autres remarques, d'autres questions, Monsieur Mémin ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je profite de cette première prise de parole publique pour transmettre, bien évidemment, nos meilleurs voeux du groupe Parmi Citoyennes à l'ensemble des collègues ici présents dans la salle et, bien sûr, à l'ensemble des Apamiennes et Apamiens. On aura l'occasion de faire des voeux plus formels, mais je voulais profiter de cette première prise de parole pour avoir cette pensée en particulier pour tous ceux et toutes celles qui souffrent dans les publics les plus fragiles ou dans les entreprises. Pour venir au sujet, nous, on est un petit peu gênés à la fois sur la forme et sur le fond. Donc, monsieur vient d'intervenir sur un élément de forme. Nous, ce qui nous gêne déjà dans cette délibération telle qu'elle est présentée, on ne comprend pas trop. On est heureux de se voir aujourd'hui en janvier avec vous plutôt qu'en février. On pense que c'est un bon rythme. Un conseil municipal, comme ça nous permet
de présenter un certain nombre d'avancées aux concitoyens, nos concitoyens et concitoyennes. Mais par contre, on ne comprend pas l'urgence de cette délibération, ce timing-là, vous ne l'avez pas expliqué. Pourquoi est-ce qu'on doit à tout prix la signer maintenant ? D'autant que vous savez qu'on vous a demandé à avoir le texte de cette convention cadre, parce que vous nous proposez en délibération de valider, autorise Madame le maire à signer la convention cadre avec le tribunal judiciaire de Foix. Donc, le minimum dans ces cas-là, c'est d'avoir au moins un document de travail, à minima un document de travail, voire un document suffisamment avancé pour qu'on puisse donc le valider. Et on pense également, vous l'avez dit, que la commission prévention et sécurité, qui se réunit régulièrement, moi je tiens à remercier M. Bocahut qui la réunit vraiment régulièrement, on a rencontré la police municipale, on a rencontré la police nationale, je pense qu'il est très opportun sur une décision aussi engageante que ça sur le fond, je viendrai après, que la commission soit saisie avant qu'on délibère. Je vois pas cet ordre, enfin, on ne comprend pas cet ordre des choses de nous soumettre une délibération pour vous autoriser à signer une convention dont on n'a pas le contenu. Vous avez dressé quelques éléments. Déjà, sur ces éléments, on a pas mal d'interrogations sur lesquelles je voudrais venir après. Donc, on voudrait comprendre, hein, je vous laisse répondre sur cette partie-là, comprendre déjà sur la forme, pourquoi est-ce que vous demandez aujourd'hui de valider une délibération sur, dont on n'a pas le, alors qu'on n'a pas la convention. Le juriste assistant est arrivé début décembre et l'idée, c'est de signer cette convention en janvier. Cette convention, qu'est-ce que c'est ? Cette convention, en fait, c'est une procédure qui retrace exactement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, si ce n'est ce que j'ai évoqué en termes d'incivilité, disons de champ d'incivilité. C'est tout simplement, cette convention retrace les relations avec des supports papier, de transmission d'informations. Ce n'est absolument rien de plus. C'est plus une procédure qu'une véritable convention. Ensuite, je ne pouvais pas signer cette convention sans que le conseil municipal m'en donne l'autorisation. Donc, Je ne vois pas comment il aurait pu en être autrement, quoi. Puisque je ne peux pas signer cette convention avant que le conseil municipal m'en donne l'autorisation, qu'il faut travailler cette convention après cette délibération et comme je me suis engagée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au travers de la commission sécurité. Voilà. C'est une convention qui est assez restrictive en dehors de ce que je vous ai dit, son champ d'application en termes d'incivilité. Donc là, je voudrais en venir, enfin, on voudrait en venir au fond de cette convention. Vous nous avez expliqué un contexte. Moi, je tiens quand même à rappeler qu'il s'agit d'une convention qui est dans le domaine de la justice, qui n'est pas a priori le domaine spécifique de la mairie. Alors, on a eu l'occasion dans d'autres interventions à vous demander des prises de position sur des sujets qui étaient en marge de l'action de la municipalité. Là, en l'occurrence, on est quand même dans un contexte un petit peu particulier, avec des lois qui sont mises au vote. Je pense à la loi de sécurité globale contre laquelle on se mobilise à l'heure actuelle. Enfin, on fait partie des personnes qui se mobilisent à l'heure actuelle. Donc, il y a ce contexte-là. Et pour nous, cette décision, cette volonté du gouvernement, puisque c'est une volonté du gouvernement qui se décline au niveau local, est quand même une remise en cause profonde de l'indépendance de la justice, des moyens de la justice, puisqu'en fait, on est en train de consacrer, en signant cette convention, le fait qu'on va permettre à des agents contractuels, le juriste assistant dont vous nous parlez, c'est des postes de contractuels, ce n'est pas des renforts en termes de fonctionnaires, hein, c'est des emplois qui renforcent la précarité, et donc vous nous demandez de valider par la signature de cette convention le fait que l'État va intervenir moins sur notre territoire. Je vous rappelle quand même, au niveau du contexte de ce texte-là, qu'on a fermé les tribunaux. Les tribunaux de proximité ont été fermés. Et à la place de rouvrir des tribunaux et de mettre des moyens humains et techniques dans ces tribunaux en proximité, pour régler les affaires en proximité, là on est tout à fait d'accord sur la proximité temporelle et géographique, au lieu de ça, on va faire des audiences foraines. Alors, je vous invite les personnes, comme on l'a fait, à faire des recherches là-dessus. Les audiences foraines, c'est-à-dire que vous allez mettre à disposition de cet assistant juridique ou du procureur une salle, un endroit qui ne sera pas forcément un tribunal, dans lequel il va pouvoir rendre
délivrer des peines correspondant aux contraventions qui ont été faites. Ce n'est pas simplement des rappels à l'ordre, il y a aussi des peines qui peuvent être prononcées. C'est assez clair dans le texte. Donc nous, on est très, très en retrait par rapport à accompagner cette volonté du gouvernement de bâcler la justice, de faire une justice expéditive et de faire une justice qui ne respecte pas le droit des personnes, y compris qui ne donne pas aux victimes des garanties quant à la réparation des faits dont elles sont préjudiciables. Donc il y a un élément de fond quand même. Je crois que je me suis mal exprimée. Ce n'est absolument pas le juriste assistant qui va être chargé de ce rappel à l'ordre, c'est un élu. Mais il existe déjà le rappel à l'ordre, Madame Thiénot. Non, mais attendez, là, on est dans un nouveau dispositif valorisé par la circulaire de décembre. C'est un élu qui effectue ce rappel à l'ordre, c'est-à-dire plus rapidement et plus près du citoyen. En aucun cas, il n'attribue une peine à qui que ce soit. C'est quelque chose de plus réactif. Par exemple, je vous cite un exemple. Quelqu'un qui se gare sur une place de parking handicapée. La solution actuelle, c'est de le verbaliser. L'alternative, c'est un rappel à l'ordre. L'auteur prend conscience de son acte, s'engage à ne plus recommencer. Il rencontre donc l'élu dans ce cadre de ce rappel à l'ordre qui transmet au procureur, l'affaire est close. Il n'y aura pas de peine, pas de poursuite. C'est ça uniquement. C'est l'élu en aucun cas ne va imposer une quelque poursuite que ce soit ou quelque alternative aux poursuites à l'auteur. Ce n'est absolument pas son rôle. Excuse-moi, mais le rappel à l'ordre est défini par la loi depuis des années, il n'est pas récent. Hein, donc le rappel à l'ordre, vous pouvez déjà le mettre en œuvre aujourd'hui à la mairie. Il n'y a pas besoin de cette loi pour faire le rappel à l'ordre. Ce qui est nouveau dans la loi, ce qu'on a vu dans les textes, c'est qu'il y a d'autres mesures, d'autres peines qui peuvent être infligées. Il peut y avoir par le procureur ou son substitut ou l'assistant juridique. Il peut y avoir des prononcés de peines sur des contraventions avec des choses... Mais Ça ne regarde absolument pas la mairie, ça regarde la justice. Non, absolument pas. Nous, notre rôle est limité dans le rappel à l'ordre strict. Non, madame. Monsieur Mémin, permettez-moi de m'exprimer. Tout ce qui concerne les poursuites, les alternatives aux poursuites, et de l'opportunité des poursuites, surtout, et du ressort du procureur. En aucun cas, c'est du ressort du maire, malgré la loi de 2007, en aucun cas... Le maire a l'opportunité des poursuites. C'est une mission exclusive du procureur de la République. Voilà. Vous avez en partie raison sur ce que vous venez de dire. Je vous remercie, j'ai tout à fait raison. Non, mais excusez-moi, mais... Mais on a regardé les textes, désolé. Le procureur en France a l'opportunité des poursuites, quelle que soit l'infraction, quel que soit le lieu où elle a été commise. Ceci étant, ce que prévoit le texte, la circulaire du 15 décembre dernier, c'est une extension de mesures de peines supplémentaires qui seront faites en collaboration avec la mairie, voire avec des associations de victimes. Il y a vraiment un travail qui est fait là-dessus. Il est même prévu dans le texte que les gardiens d'immeubles puissent participer au niveau des bailleurs sociaux, puissent participer à cette opération-là. Ça peut aller jusqu'aux gardiens d'immeubles, d'accord ? Donc, il y a vraiment quelque chose, une dérive dans le pouvoir judiciaire qui ne devient plus, dont la décision n'est plus collégiale. Enfin, il y a vraiment des implications qui ne sont pas simplement une convention technique comme vous nous le présentez tout à l'heure. Donc, nous notre demande aujourd'hui, on le débat, c'est la première fois qu'on a ce débat en séance, on ne l'a pas eu dans les instances, dans la commission, vous l'avez rappelé, il va avoir lieu. Nous, la demande qu'on vous fait aujourd'hui, c'est que ça soit considéré comme un point d'information à ce stade-là et que, en fonction des éléments qu'on va recueillir dans la discussion en commission et autres, et ce que vous avez parlé au niveau des contraventions.
Ça existe déjà dans le texte sur le rappel à l'ordre. Il y a une liste d'infractions qui sont listées. Vous en avez cité quelques-unes. L'absentéisme scolaire. Il y en a 350, monsieur Ménard, peut-être. Non, il y en a 350. Les infractions passibles de justice pénale de proximité, il y en a 350. On ne va peut-être pas aborder ça aujourd'hui. Tout à fait. Non, je parlais de ce qui existe aujourd'hui dans le rappel à l'ordre. C'est-à-dire dans les textes qui, aujourd'hui, vous permettent, en tant que maire, de faire un rappel à l'ordre. Il y a une liste qui est établie avec un certain nombre de contraventions, l'absentéisme scolaire, la présence de mineurs non accompagnés dans les lieux publics, les incivilités commises par les mineurs, les incidents aux abords des établissements, les conflits de voisinage. Bon, voilà, il y en a déjà un certain nombre qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en œuvre. Donc nous, on souhaite vraiment aller plus loin sur ce dossier. On n'a pas d'opposition farouche sur l'idée de réfléchir en collaboration avec d'autres acteurs, le procureur et autres, mais déjà il y a des conventions qui sont signées. Donc pour nous, il est important de ne pas valider aujourd'hui cette délibération, mais plutôt de la reporter, la décision, au prochain conseil municipal, en attendant qu'on ait vraiment travaillé dessus. D'autres questions, d'autres remarques ? Donc, je vais passer au vote. Donc, donc, je modifie la première ligne. Donc, vous nous rappelez votre texte ? Oui, moi, je suis pas attaché au mot près, mais il me semble qu'il serait plus opportun d'écrire une collaboration plus étroite entre le procureur et le maire vis-à-vis de l'auteur des faits. Très bien. Donc, qui, au vu de cette modification de délibération, autorise le maire à signer la convention cadre avec le tribunal judiciaire de Foix qui définira effectivement les modalités d'application de la procédure ? Et qui sera porté au conseil municipal lors d'une séance prochaine. Donc, qui s'abstient ? Qui s'oppose ? Merci. Délibération adoptée à la majorité. Donc, je vais laisser la parole à Madame Doussat pour la délibération 2-1. Merci Madame le maire, bonsoir. Donc le point 2-1 a pour objet l'autorisation des ouvertures des commerces les dimanches de 2021. Cette délibération est une conséquence à la crise sanitaire que nous traversons actuellement et à une décision gouvernementale de reculer la date des soldes initialement prévue à une date ultérieure. Considérant la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifiant les règles d'ouverture des magasins le dimanche, considérant la nécessité depuis 2016 de fixer un nombre de dimanches à 12 par an maximum avant le 31 décembre de l'année qui précède les autorisations d'ouverture, considérant l'obligation, si le total de ces dimanches excède le nombre de 5, d'obtenir un avis conforme de l'organe délibérant et de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre, préalablement à la décision du maire. Considérant la délibération du conseil municipal dans sa séance du 13 octobre 2020, qui autorisait les commerces à ouvrir les premiers dimanches des soldes, hiver et été, le 10 janvier et le 27 juin, ainsi que les 12 et 19 décembre. Considérant la modification des dates des soldes en raison de la crise sanitaire et le démarrage fixé au 20 janvier, il est proposé au Conseil d'autoriser les commerces apaméens à ouvrir les dimanches 24 janvier, 27 juin, 12 et 19 décembre 2021. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Oui, Madame Gou. Moi, j'aurais une question plutôt sur le commerce. Je voudrais savoir si on a fait un bilan de l'opération City Follies. Bon, c'est pas exactement le point de la délibération. Oui, mais, c'est pas le point de la délibération, oui, effectivement, mais on peut. On parle de commerce et ça serait. On les soutient du commerce. Donc, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que ça a donné ? On peut vous apporter un éclairage. Je pense que l'éclairage sera plus fait en conseil de communauté des communes, puisque l'apport financier a été quand même apporté par la communauté des communes. Effectivement, on est aujourd'hui sur un démarrage et vraiment une première opération. Donc, on aurait pensé qu'il y aurait eu un engouement plus fort.
à aujourd'hui une étroite collaboration qui se fait entre la CCI et le pôle commerce de la ville de Pamiers et aussi la communauté des communes pour identifier un petit peu les freins et identifier aussi les effets positifs. Donc voilà, on a recensé auprès de certains commerçants, il y a un lien étroit. Je pense qu'il faut attendre la fin de l'opération pour pouvoir dresser un bilan complet. Pas d'autres questions ? Oui, monsieur Mémé. Monsieur Rocher voudrait intervenir. Voilà. Juste, donc vous aurez un bilan au prochain conseil communautaire qui aura lieu le 16 février, qui permettra de vraiment valider l'opération sur l'ensemble de la collectivité. Monsieur Mémé. Oui, juste préciser qu'on est intervenu sur ce point-là parce que la mairie de Pamiers a contribué aussi au travers de la CCAP. Hein. Ça nous semblait opportun de le faire. Préciser également. Comme les autres communes. Oui, oui, tout à fait. Préciser donc sur ce type de délibération qu'on aura une position constante chaque fois que vous nous les proposerez. Je tiens juste à la rappeler aujourd'hui, le fait qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui, au niveau des services de l'inspection du travail en particulier, de contrôler le volontariat des salariés dans le cadre de ces ouvertures du dimanche. Donc nous, par principe, on s'abstient sur ce type de délibération. Moi, je voudrais juste ajouter qu'avant la rédaction de la délibération, nous avons aussi eu un entretien avec l'association des commerçants pour savoir si ça correspondait à leurs souhaits, effectivement, et s'ils, comme sur d'autres départements, s'ils souhaitaient des ouvertures supplémentaires et ils n'en ont pas émis le souhait. Donc, je vous demande donc l'autorisation d'ouverture des commerces les dimanches 24 janvier, 27 juin, 12 et 19 décembre 2021. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 3 abstentions. Je vous remercie. Donc, délibération 3-1, Madame Doussat, donc avec l'évolution qu'on a évoquée en début de séance. Donc, effectivement, Madame le maire, avant de passer à la lecture de ces diverses délibérations, je réitère donc ce que vous avez indiqué en préambule de séance. Ce point 1, 3.1 va être déroulé en plusieurs points individuels suite à un avis du centre de gestion. Pour rentrer dans la réglementation, nous avons une nouvelle rédaction en délibération individuelle. Effectivement, pourquoi ces délibérations individuelles ? On va évoquer quatre délibérations différentes. En premier, le recrutement d'un directeur aux affaires culturelles et patrimoine, qui existe déjà dans l'organigramme. Et afin de pouvoir justement prétendre à pouvoir le poste rapidement, nous vous proposons une délibération sur un accroissement temporaire d'activité complété d'une délibération sur un poste de catégorie A. Le poste d'archiviste existe également dans l'organigramme. La délibération est liée au changement de filière culturelle. C'est juste un changement de filière au niveau de l'organigramme existant. Le poste de directeur des services d'information est un poste nouveau sur la structure. Il correspond à des exigences réglementaires, mais surtout à l'intégration dans la mairie de nouveaux modes de communication, comme la modernisation au niveau de la dématérialisation du conseil municipal et d'autres nouveaux systèmes de dématérialisation qui sont en cours au sein de la collectivité. Pour ce poste qui n'était pas dans l'organigramme, nous vous proposons une délibération concernant un accroissement temporaire d'activité et une délibération pour un poste de catégorie A au prochain conseil municipal. Cette ouverture également de poste fait écho aussi à un rapprochement à la réglementation par rapport à la protection des données. Alors aujourd'hui, on a des collectivités qui ont malheureusement eu de mauvaises expériences par rapport à la protection des données de leur réseau informatique. Pour le directeur de sécurité, ça sera une délibération qui entrera en vigueur donc au prochain conseil municipal. Voilà. Si vous en êtes d'accord avec ce nouveau déroulé, comme l'a indiqué Madame le maire en préambule, nous allons passer à la lecture de chaque délibération. Pas de questions intermédiaires. Donc, projet oui, Juste une intervention. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais j'attends de voir la suite.
Donc, la délibération 3-1.A, recrutement d'un agent contractuel de droit public sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au poste de DSI. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 83, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3.1, accroissement temporaire d'activité, vu le décret 88-145 du 15 février 88 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 84, modifié portant disposition statutaire relative à la FPT, et relatif aux agents contractuels de la FPT. Considérant, après avis du centre de gestion de l'Ariège, qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel à temps complet, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, à savoir un poste de direction du service informatique, DSI, ingénieur contractuel de catégorie A, indice brut 739. Donc, nous demandons au conseil municipal d'approuver le recrutement d'un agent contractuel au grade d'ingénieur territorial pour faire face à ce besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une période de 4 mois, allant du 12 janvier 2021 au 11 mai 2021 inclus. Cet agent assurera ses fonctions de direction du service informatique à temps complet. La rémunération de l'agent sera calculée par référence au grade d'ingénieur territorial, indice brut 739, et le régime indemnitaire associé au poste. Autorise l'établissement des différents actes administratifs nécessaires au recrutement à venir. La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 12, article 020. Est-ce que vous avez des questions ? Et le 12 mai 2021, que se passe-t-il ? Oui, c'est ce que Mme Doussat a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lors du prochain conseil municipal, on votera la création de ce poste. Et pourquoi ne du pas poste, du poste permanent. Oui, et pourquoi ne pas l'avoir créé ce soir ? Parce qu'il y a des contraintes réglementaires avec des passages à certaines instances avant la création d'un poste nouveau définitif. C'est pour cela qu'on s'appuie sur l'accroissement d'activité et l'urgence par rapport au nouveau concept de dématérialisation que l'on met en place sur la collectivité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-on savoir où en est le recrutement de cette personne ? Le recrutement sera effectif très rapidement. Parce que je vois qu'il y a un indice particulier, donc c'est déjà négocié avec une personne en particulier ? Oui, effectivement. Donc on a quelqu'un qui va occuper ce poste dans le cadre de l'accroissement temporaire d'activité. Après, lors de la nouvelle création de poste, le poste sera ouvert. Voilà. L'indice a été choisi comment ? En fonction des compétences de cette personne, des négociations. Parce que cet indice correspond au 8e échelon sur 10 d'ingénieur territorial. Donc, ça représente 19 ans de service de fonctionnaire. Est-ce que c'est une personne expérimentée ? C'est une personne extrêmement expérimentée que, à mon sens, nous avons beaucoup de chance d'avoir recruté. Il faut savoir que si on veut avoir des gens compétents, polyvalents, surtout dans une mairie où le service informatique n'existe pas encore, c'est important d'avoir des gens compétents et donc c'est forcément assorti d'une rémunération adéquate. Voilà. Et il n'y avait pas de fonctionnaires qui ont répondu à ce recrutement ? Donc le choix a été réalisé en centrant sur les compétences de l'agent essentiellement, en faisant un peu fi
de son statut de fonctionnaire. Il est vrai que s'il y avait eu deux personnes équivalentes, ça serait rentré en ligne de compte, effectivement. Oui, parce que quand même, les postes de contractuels sont beaucoup plus coûteux pour la commune, surtout à des indices d'échelon comme celui-ci, celui qui est présenté ce soir, puisque les charges sont sur le salaire brut et pas sur un indice plus bas avec des primes. Enfin, là, les primes, elles sont en plus, mais c'est quand même un niveau de salaire très élevé. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on est dans un champ concurrentiel. C'est-à-dire que cette personne, j'en suis persuadée, pouvait avoir une rémunération supérieure à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres endroits. Voilà. Le problème est la concurrence, la compétence et une forte volonté d'une montée en compétence. Voilà. Merci. L'embauche de ce... Pardon. Tout le monde parle sans avoir pris la parole. Excusez-moi, deux parlent en même temps. Monsieur Legrand, je vous écoute. Est-ce que l'embauche de cette personne nous permettra d'arrêter ce que nous faisions en externalisation auprès de la société Equadex? Donc, l'embauche de cette personne a été motivée par effectivement nos relations avec Equadex qui resteront bien sûr dans le champ de marché, de fourniture, d'informatique, mais n'aura plus de rôle de conseil et de directeur des services d'information qu'il avait actuellement. Voilà. Effectivement, vous avez raison, la contractualisation, le contrat qu'on avait avec Equadex a déjà évolué. Madame Lagreux, je voudrais savoir, puisque vous dites que c'est une personne expérimentée, quel est son âge, quel est son parcours d'études, son parcours professionnel, et ensuite combien est-ce que cela va coûter à la collectivité, puisque c'est une création de poste. Donc le coût à la collectivité est donné par l'indice qui est mentionné ici, il suffit de le regarder, je ne sais pas par cœur. Ensuite, bien entendu, nous n'allons pas dévoiler l'intégralité de son CV ni même son âge en conseil municipal, ça reste à votre disposition au cabinet du maire. Donc, vous dites que c'est donc un recrutement qui est en cours ou qui est pratiquement fait. Donc, c'est une personne très compétente qui est embauchée pour 4 mois, contractuelle. Au bout des 4 mois, du coup, le poste sera à nouveau ouvert aux fonctionnaires, aux contractuels ou comme on le pressent, cette personne restera et donc ce sera un poste contractuel pour le reste du mandat, enfin, pour... voilà. Lors de la délibération du prochain conseil municipal, on délibérera sur la création d'un poste définitif de directeur des services d'information. Ce poste sera ouvert et bien sûr pourront postuler des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires. Elles, bien entendu, aussi. Je me suis bien fait comprendre ? Oui, c'est assez clair, je trouve. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut mettre au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération 3-1B. Oui. Pardon, Marilyn, juste un instant, je me vois dans l'obligation de vous abandonner. En effet, au regard du respect du couvre-feu qui me frappe à 20h, je m'échappe puisque je n'ai pas d'autorisation de sortie. Je n'ai en effet reçu qu'un document avec pour intitulé « Madame Thiénot, employeur ». Et comme je ne suis pas, malheureusement, l'employé de Madame Thiénot ni de la collectivité, le jour où j'aurai une autorisation de sortie pour ma qualité d'élu, je me ferai un plaisir de participer au Conseil dans sa totalité. Je vous remercie. Monsieur Guichoux, je pense que vous avez oublié le chemin du cabinet qui aurait pu, avec un extrême plaisir, vous procurer cette autorisation. Oui, mais comme ça frappe tous nos collègues ici, il vaut mieux faire un tir groupé.
Donc, Madame Doussat, pour la délibération 3-1B. Objet, recrutement d'un agent contractuel de droit public sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, poste de DACP. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT, notamment son article 3.1. Vu le décret 88-185 du 15 février 1988, modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatifs aux agents contractuels de la FPT. Considérant, après avis du Centre de gestion de l'Ariège, qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel à temps complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité, à savoir un poste de direction des affaires culturelles et du patrimoine, attaché contractuel de catégorie A, indice brut 778. Donc, le conseil municipal autorise le recrutement d'un agent contractuel au grade d'attaché territorial pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité pour une période de 4 mois, allant du 12 janvier 2021 au 11 mai 2021 inclus. Cet agent assurera les fonctions de direction des affaires culturelles et du patrimoine à temps complet. La rémunération de l'agent sera calculée par référence au grade d'attaché territorial, indice brut 778, et le régime indemnitaire associé au poste. Autorise l'établissement des différents actes administratifs nécessaires au recrutement à venir. La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 12, article 20. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Monsieur Malbreil. Oui, je voudrais savoir, puisque le poste existe depuis des années, pourquoi c'est un recrutement temporaire sur 4 mois ? Parce que le statut est différent. Dire en quoi le statut est différent ? Si les gens sont fonction publique territoriale ou contractuelle, il faut faire une nouvelle délibération. Et de plus, pour les catégories A, la délibération est obligatoire. D'autres questions ? Oui, Mme Lebeau. Quel est l'accroissement d'activité en ce moment que la culture est au point mort ? En fait, la culture est au point mort, mais la programmation n'est pas au point mort. Il y a tout un service à redynamiser. Je vous rappelle que ce poste était occupé par intérim par le directeur du conservatoire, qui occupait à la fois deux postes. On peut difficilement considérer que certains postes de directeur ne sont plus opportuns en raison d'une crise sanitaire. Peut-être que M. Lupierru a quelque chose à rajouter. Oui, je voulais seulement dire que le fait qu'il n'y ait pas d'activité visible culturelle ne signifie pas qu'il n'y a pas de projet, une élaboration qui est en train d'être menée autour notamment du Carmel et on pourrait dire d'autres projets. Et en outre, comme le disait Madame le maire, il y a un service qui fonctionne. Oui, évidemment qu'il faut. Monsieur Malbreis. Oui, je dis évidemment qu'il faut un directeur des affaires culturelles, mais on espère qu'il va rester plus que 4 mois. Donc c'est voilà qu'il va y avoir une pérennité à ce poste, alors qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont succédés, pas toujours dans le bon ordre, à ce poste-là. Voilà. Nous formulons tout à fait les mêmes voeux, Monsieur Malbreil. C'est la même question que pour la délibération précédente concernant le niveau de salaire et d'expérience, puisque là, c'est un poste d'attaché qui représente 16 années de service de fonctionnaire au niveau de salaire. Donc, je vais vous faire exactement les mêmes réponses.
Il y a aussi, c'est tendu aussi au niveau du recrutement dans les affaires culturelles. Tout à fait. D'accord. Avant le vote, je voudrais mentionner la procuration de M. Guichou à Mme Lebeau, excusez-moi. Par ailleurs, je tiens à préciser que la convocation administrative suffit pour déroger au couvre-feu. Donc, n'ayez aucune crainte, quelle que soit l'heure de votre départ, enfin, raisonnable, vous êtes couvert par votre convocation administrative. Si je puis me permettre, pardon, je pense que vous avez peut-être mal interprété. Monsieur Guichou est parti parce que sur l'autorisation, il y a marqué employeur Madame Thiénot. Et il vous a signifié que du coup, il ne se sentait pas être votre employé. C'est pour ça qu'il est parti. C'était juste pour préciser. Je ne sais pas si vous aviez. C'était un problème moral. Un problème de forme, sûrement, mais bon, qui vaut ce qu'il vaut. Qui reste légal, toutefois. Non, parce que je crois que vous n'êtes pas son employé, l'employeur, pardon. Bon, après ces considérations, est-ce que l'on peut passer au vote ? Je voudrais, excusez-moi, je n'ai pas fini sur le point. Nous aurions aimé savoir si, du coup, le directeur en place qui assure l'intérim au service culturel avait postulé ou souhaité être sur ce poste-là de manière, du coup, en tant que fonctionnaire et non contractuel. Et ce qui aurait été, si c'est le cas, aurait coûté moins cher à la collectivité. C'est vrai que la fusion de 2, 3, 4, 5 postes coûterait encore moins cher à la collectivité. Le fait est, c'est que dans notre campagne, nous sommes bien positionnés pour valoriser la culture. Le directeur des affaires culturelles doit être directeur des affaires culturelles et pas en plus directeur du conservatoire et plein d'autres choses. Donc, pour nous, c'est très important que ce soit deux postes distincts. Il a été informé dès notre première rencontre, c'est-à-dire dans les 15 jours suivant mon arrivée, le directeur du conservatoire, qu'il ne pourrait pas assumer en même temps les deux postes. Comme nous l'avions déjà dit à de nombreuses reprises lors de la campagne électorale. Notre question, je crois, c'est s'il avait souhaité, émis le souhait, pardon, de postuler pour le poste de direction. Je vais laisser la parole à M. Lupieri. Oui, pour être tout à fait clair, il n'a pas postulé au poste. Voilà. Madame Lebeau. Oui, il n'était pas question, je pense, d'avoir deux directions en même temps. Mais s'il avait souhaité être directeur uniquement des affaires culturelles et laisser le poste du conservatoire, est-ce que vous l'auriez accepté ? Il n'a pas postulé, mais il aurait postulé, on l'aurait accepté comme n'importe qui. Comme n'importe quel autre candidat, sa candidature aurait été étudiée. Elle aurait été étudiée. Une autre petite question, du coup, sur l'embauche du contractuel. Est-ce que la personne est déjà recrutée ? Puisque nous avons effectivement l'indice. Oui, tout à fait. Est-ce que l'on peut passer au vote ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération 3-1.C. Création d'un emploi permanent de DACP, attaché territorial, à temps complet, catégorie A, filière administrative. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la FPT, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis du comité technique compétent. La délibération portant création d'un emploi permanent doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève. Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet, exprimée en heures.
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter en l'application de l'article 3-3-2 de la loi 84-53 précitée un agent contractuel de droit public lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et en l'absence de recrutement de fonctionnaires. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. À l'issue des 6 ans, renouvelable en CDI. Considérant le besoin de recruter dans le cadre du bon fonctionnement des services, un poste à temps complet et notamment un poste de direction des affaires culturelles et du patrimoine, attaché contractuel de catégorie A, indice brut 778 et le régime indemnitaire associé au poste. Il est donc proposé au conseil municipal la création au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet de direction des affaires culturelles et du patrimoine au grade d'attaché territorial de catégorie A. Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée, maximale de 3 ans, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, au vu de l'article 3-3-2 de la loi 84-53, tel que décrit ci-dessus. Autorise Madame le maire à recruter l'agent affecté à ce poste. La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 12, article 20. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Oui, s'il vous plaît. Mais pour, comme précédemment, nous ne comprenons pas pourquoi emploi d'un contractuel qui va quand même en matière d'économie et puis voilà, coûter beaucoup plus cher à la collectivité. C'est un emploi contractuel en cas d'échec de recherche infructueuse. Ce n'est pas un emploi contractuel. Oui, d'accord, mais il fait suite. Donc, enfin, si on comprend bien, parce que honnêtement, c'est un peu touffu, mais bon, ce n'est pas un problème, on va essayer de comprendre. Ça fait suite à la délibération précédente. Donc, du coup, je suppose que la personne qui va être employée, tout comme au service informatique, sera la même, à mon avis, qui est employée pour 4 mois, si j'ai bien compris. Vous avez raison, la démarche est la même pour le poste informatique, sauf que le poste informatique, la création du poste définitif sera faite au prochain conseil municipal. Et que dans le cas présent, elle peut être faite dès aujourd'hui, puisqu'il n'a pas besoin de passer en comité technique. Voilà la différence entre les deux. D'accord. Mais le raisonnement est exactement le même. C'est ça. Et c'est ce qui nous gêne un peu, c'est-à-dire que, effectivement, vous faites appel à deux contractuels, au lieu peut-être d'essayer d'avoir un fonctionnaire. Parce qu'en matière d'économie, voilà, c'est toujours pareil. C'est pas très bon pour la collectivité, et à terme, encore moins. Je comprends tout à fait. Ce que vous évoquez, toutefois, les économies ne sont pas forcément initiales. Elles peuvent être engendrées par quelqu'un qui a beaucoup de compétences. Et notre choix, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, a été centré sur la compétence. D'accord, mais pour clôturer juste, je pense que les gens qui passent des diplômes et qui sont fonctionnaires territoriaux ont parfois aussi sûrement autant de compétences. Nous avons fait beaucoup d'entretiens. D'autres questions ? Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Je vous remercie. Dernière délibération du point 3-3-1D. Création d'un emploi permanent de chef de service des archives, assistant de conservation territoriale, à temps complet, catégorie B, filière culturelle. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifié, portant disposition statutaire relative à la FPT, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois, pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis du comité technique compétent. La délibération portant création d'un emploi permanent doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fonction de temps complet exprimé en heures.
En cas de recherche infructueuse de candidats de statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application de l'article 3-2 de la loi 84-53 précité, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de 1 an et pourra être prolongé dans la limite totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Considérant que le besoin du service nécessite la création d'un emploi permanent, et notamment un poste de chef de service archive à temps complet. À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des assistants de conservation territoriaux, au grade d'assistant de conservation, filière culturelle, catégorie B. La rémunération et le déroulement de carrière correspondront au cadre d'emploi concerné. Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Il est proposé de créer cet emploi dans l'attente du recrutement au sein de la collectivité. Le conseil municipal donc autorise la création au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet de chef de service des archives au grade d'assistant de conservation territoriale de catégorie B. Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée de 1 an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'article 3-2 de la loi 84-53 tel que décrit ci-dessus. Autorise l'établissement des différents actes administratifs nécessaires au recrutement à venir. La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 12, article 20. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? Monsieur Mémem. Oui, on n'est pas intervenu sur ce sujet, vous l'avez remarqué, hein, c'est parce que on s'abstient et on s'abstiendra sur cette délibération aussi, parce qu'on a bien compris dans ce que vous avez énoncé au départ de délibération, qu'il y avait un problème de forme à respecter, notamment au niveau de la consultation des instances représentatives du personnel. Donc comme nous, on est particulièrement attachés au dialogue social et donc à ces instances, c'est pour ça qu'on a fait le choix de nous abstenir donc, sur ces délibérations, en comprenant bien qu'il y avait des choses à réguler au niveau de ces postes-là. Et on ne veut pas, par un vote contre, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas voter contre, on ne veut pas empêcher des recrutements qui sont déjà apparemment, vous l'avez expliqué, engagés puisqu'on a des dates de recrutement. Voilà, c'est simplement une explication globale sur la position qu'on a adoptée ce soir sur ces questions de ressources humaines. Mais on sera comme on l'a été depuis le début et à l'issue, particulièrement attentif au niveau des incidences budgétaires et de la réalisation des missions de la mairie. Merci. Donc, ce poste d'archiviste est dans l'organigramme, il n'a pas besoin de passer en comité technique. Donc on peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, délibération 3-2, décision municipale, Monsieur Rocher. Alors, vous avez un certain nombre de conventions dont il faudra prendre acte. La première, la 20-051, concerne la mise à disposition à la CCPAP des locaux qu'elle occupe, qui passe en fait de 19 500 euros à 20 000 euros, considérant les nouveaux bureaux que nous avons pris. La deuxième concerne la convention de mise à disposition au district du football de l'Ariège. La troisième, c'est la mise à disposition à l'association de la mémoire combattante. C'est les lieux locaux, les 160 mètres carrés qu'on leur met à disposition gratuitement. La 20-054, c'est la convention d'occupation d'un local commercial temporaire à 38 rue des Jacobins pour un loyer de 250 euros avec un mois d'occupation gratuite. La 20-055, c'est une convention de mise à disposition à la région Occitanie et le lycée agricole d'un terrain route de Bellepêche. La 20-045 et la 20-046, ce sont deux délibérations qui concernent d'abord la proposition d'achat d'une cuisine d'une maison que nous avons acquise au 5 impasse de la papeterie. Et la 56 vient annuler la délibération précédente. La 57 et la 58 concernent la possibilité d'ester en justice vis-à-vis d'abord de M. Sébastien Clarac et ensuite de M. Jean Clarac. La 20-059, c'est la souscription d'un emprunt auprès de la Banque Postale, qui est en fait un emprunt qui avait été budgété au titre du budget 2020 et qui est en fait n'est qu'à la réalisation de cet emprunt.
Et la 20060, c'est la convention de mise à disposition de la SAFER du haras de Pamiers, situé aux Trois Bornes, pour 4 800 €. Avez-vous des questions, Madame Goulier ? Oui, moi je voulais revenir sur la convention de mise à disposition de locaux pour la communauté des communes. En fait, en 2005, la communauté des communes payait 1 625 € par mois pour 370 m². Ça fait 19 500 € par an. Et là, en 2020 ou 2021, la communauté commune va payer 500 € de plus pour 71 m² de plus. Sachant que de 2005 donc à 2021, le loyer n'a pas augmenté. Donc je trouve qu'on est particulièrement généreux avec la communauté des communes. Et je rejoins le rapport de la Cour des comptes qui dit que Pamiers porte beaucoup de charges de centralité. Bon, là, ça en est la preuve, on n'augmente pas le loyer. On est très généreux. Si vous faites le prix au mètre carré, vous verrez que c'est pas un prix, c'est un prix correspondant largement au marché, et que si la communauté des communes voulait trouver des locaux moins chers, elle pourrait facilement en trouver. Je crois qu'on est plutôt dans un équilibre raisonnable entre les deux collectivités. Et je voudrais savoir aussi ce que vont devenir ces locaux quand la communauté commune déménagera. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Alors, on le verra en conseil communautaire, mais l'avancée du déménagement recule, je dirais. On est plutôt sur un déménagement en 2022. Je ne sais pas aujourd'hui vous dire si ça sera plutôt milieu 2022. Donc ça nous laisse le temps d'envisager toutes les solutions pour les locaux que nous occupons aujourd'hui. D'accord. Juste une précision au niveau de l'empreinte de la Banque Postale. Au niveau de l'amortissement du capital, il s'agit d'un amortissement du capital constant ou dégressif, comment ça se passe? C'est un amortissement d'un prêt classique, c'est dégressif. Enfin, vos mensualités sont composées à la fois de remboursement d'intérêt et de remboursement de capital. Mais est-ce que l'amortissement du capital est constant? Ou est-ce que au début, il est peu élevé pour devenir très élevé à la fin, quoi? Ah ben, oui, enfin, bon, en plus, vu le taux 0,47, il n'y a pas beaucoup de variations entre les départs. C'est un amortissement constant, si vous voulez. Enfin, la mensualité est constante. Bon. Mais vu les taux, la différentielle entre les premiers et les derniers amortissements, remboursements, ne sont pas très élevés. D'autres questions? Donc je vous demande de prendre acte de ces décisions municipales. Délibération 3.3, qui concerne les délégations et représentations diverses de jurys de concours, qui avait été prises en juillet 2020 et qui avait fait, je dirais, l'objet d'une petite... erreur administrative, puisqu'en fait le jury de concours doit être impérativement composé d'après l'article 1411-5 du Code général des collectivités territoriales des membres de la commission d'appel d'offres et de membres extérieurs. On avait, émis une erreur dans la mesure où on avait légèrement différencié pour les membres de l'opposition de cette commission, et en fait il faut convient de revenir à ce que nous réclame la loi, c'est-à-dire une stricte composition identique entre les membres de la commission d'appel d'offres et les membres de la commission de jury de concours. Avez-vous des questions? Oui, Madame Lebeau. Vous aviez la possibilité d'avoir deux commissions d'appel d'offres, une pour les fournitures, services et travaux, par exemple, et une pour la maîtrise d'œuvre. Compte tenu des projets très importants qui sont en cours ou à venir, ça se justifiait tout à fait qu'il y ait une commission particulière pour la maîtrise d'œuvre. On n'achète pas de la maîtrise d'œuvre pour des projets à presque 5 millions TTC comme l'île aux enfants, comme on achète du papier ou des savonnettes. Donc les deux commissions se justifiaient tout à fait. Ça, c'est une interprétation de votre part. Moi, j'estime que sur Pamiers, qui est quand même une collectivité qui est d'une taille, je dirais, sommaire, réduite, une commission est largement suffisante pour couvrir l'ensemble des besoins de la collectivité. Après, je dirais, rien ne vous empêche, puisqu'en fait, le seul membre qui est changé, ce sont les membres de votre groupe,
rien ne vous empêche de éventuellement proposer une modification de la composition de la commission si vous le jugiez nécessaire. Non, c'était pas le but. Le fait d'avoir deux commissions différentes était tout à fait justifié au vu des projets, parce que des concours, il va y en avoir encore pour le Carmel, pour le cinéma peut-être, pour la maison de santé, il y aura beaucoup de concours probablement dans le mandat. Donc c'était... On a bien entendu votre demande, mais je vous réitère qu'il n'y aura qu'une commission d'appel d'offres. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous remercie. On est 6. 6, oui. Délibération 4-1, Madame Quintanilla. Oui, je vous remercie, Madame le maire. Délibération 4.1 qui porte donc sur la dépose de la ligne électrique zone d'activité de Gabriel. Cette zone d'activité est gérée par la communauté des communes. Et la communauté des communes, dans le cadre de son aménagement tranche 1 terre du lotissement, a besoin de faire déposer des poteaux et des câbles d'une liaison de distribution d'électricité qui n'est plus en service. Donc cette demande concerne un tronçon compris entre Nose, le Vieux, jusqu'au lieu dit La Buse, c'est-à-dire deux branches au niveau de la route de Trémège. La convention de concession pour le service de distribution d'énergie date un peu, elle est de 1994, et elle est donc, elle confère à la commune de Pamiers l'autorité pour autoriser la dépose de cette ligne. Nous vous demandons donc, nous demandons au conseil municipal d'autoriser la dépose du tronçon précité et d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches auprès d'Enedis et à signer tous les documents nécessaires. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Madame Goulier. Oui, c'est à la demande de la communauté des communes. Je voudrais savoir qui est-ce qui paie cette dépose de tronçon. C'est Enedis qui paye. Hein. Parfait. Avez-vous d'autres interrogations ? Nous pouvons passer au vote. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Mémin, non. Vous aviez fait part d'une question diverse, peut-être ? Non, ce n'est pas une question diverse du tout, ce n'est pas un débat que je voulais lancer. Je voulais simplement savoir si vous pouviez nous tenir informés du courrier adressé à monsieur le maire. On a fait début décembre un vœu ensemble et on a soutenu le ministre, monsieur le maire, pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai que J'aurais dû préciser le contexte de ma question par rapport à la situation d'Aubert et Duval, donc qui est loin d'être stabilisée, enfin qui est source d'une grande inquiétude. Est-ce que par rapport à cette initiative que nous avons validée ensemble, tous ensemble, est-ce que vous avez des éléments à transmettre à l'ensemble du Conseil ? Non, nous n'avons aucun élément complémentaire, bien entendu. Dès que nous en aurons, l'ensemble du Conseil sera informé. Madame Lagreux. Oui, pardon, c'était pas une question préparée parce que de toute façon l'actualité ne nous permet pas d'anticiper beaucoup. Mais donc on parle aux infos de la vaccination et j'entends dire que par département il va y avoir plusieurs centres de vaccination. Est-ce que vous en savez plus ? Est-ce que quelque chose est prévu par exemple à Pamiers ? Nous n'avons pas été, la mairie de Pamiers n'a pas été sollicitée par ce dispositif pour le moment. Et est-ce que vous avez plus d'informations ? Aucune information. Donc, c'est des dispositifs nationaux qui sont déclinés au niveau de chaque département en fonction de la population, en fonction du réseau de professionnels, en fonction de la volonté des pharmaciens, notamment, sans doute. Donc, pour le moment, des pharmaciens pour la vaccination. Hein. Donc, pour le moment, nous n'avons eu aucun contact particulier avec l'Agence régionale de santé située avec sa délégation ariégeoise, ni avec la préfecture à ce sujet. Merci. Donc, la séance est close. Merci. Bonne soirée.